Salutations, chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc, en fait, pour mon épisode 2 sur Fallout New Vegas, et donc il doit être à peu près 4h15. 4h15, en fait, je fais l'épisode de nuit. Et parce qu'en fait, je viens de regarder, en fait, j'ai regardé sur mon téléphone, en fait, donc iPhone Android. Enfin, moi, c'est pas un iPhone, c'est un Android. Il était 3h55. Et en fait, comme j'ai mon laptop a un petit peu lagué, parce que c'est pas un gros desktop, c'est un laptop. Donc je vous renvoie tout le temps, en fait, j'avais dû vous en parler déjà sur ma chaîne YouTube, en fait, aux youtubeurs Austin et Vance, Austin comme la marque de voiture, et Vance, Vans, en fait, c'est un youtubeur, en fait, qui doit être californien, d'ailleurs, c'est possible, donc américain, et, en fait, qui doit, en fait, présenter des, enfin, en fait, il fait un peu vendeur d'ordinateur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils présentent tous les derniers ordi, laptops, etc. Donc, en fait, épisode 2, donc, en fait, de ma série Fallout New Vegas. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais sur l'épisode 1. Je pense que je vais me faire en fait un planning sur ma chaîne YouTube et que en fait le mardi, le mercredi, en fait je me trouverai des horaires en fait. Finalement, à la limite, la nuit, comme là je suis en train de le faire, enfin vers 3h, 4h du matin ou ou autrement vers 8h, 9h, le mardi, mercredi, je pense que je vais faire un planning sur ma chaîne YouTube. Donc, en fait, je crois qu'on avait. Alors là, en fait, je dois avoir. Là, en fait, bah, maintenant, je reprends le cycle normal de mes programmations, en fait, par rapport à Action Mirlis. Donc, en fait, j'ai mis, en fait, normalement, ma vidéo va s'arrêter à 34 minutes. Donc, bah voilà. Donc, à la limite, je referai peut-être un troisième épisode juste après. Parce que vu que c'est 34 minutes, je vais voir comment ça va se faire. Donc, en fait, je pense que là, je devais aller rejoindre, en fait, Sunny Smiles. Pour en fait qu'elle m'apprenne des systèmes un peu de survie dans le désert. Ouais, voilà. Alors, près d'un feu de camp sur la piste, d'accord, trouver une fleur de broc et une racine de xandre. D'accord. Ah ouais, et donc fleur de broc, elle me dit cimetière et racine de xandre, école. Ok. Afficher l'emplacement, d'accord, ok. 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 Alors là, ça doit être les deux trucs en fait qu'on doit avoir à prendre, quoi. Bon, on va passer, ok.
Alors, est-ce que je me suis remis? Remarque, c'est pas plus mal dans un sens, même si je suis en cachet, je verrai ça surtout au fur et à mesure de mon avancée dans le jeu de Fallout. Alors là, je sais pas, c'est peut-être l'école, je sais pas. Ok. Bon, faut que j'avance tout droit, quoi. Stop. Alors c'est vrai que c'est pas pratique parce que vrai qu'on est tout le temps obligé de remettre parce que bon si c'est vrai que si je trouvais un petit mode en fait ça doit peut-être exister vu qu'il doit y en avoir une tonne sur une série comme les Fallout. Et apparemment, At My Weapon, dont j'ai dû écouter en fait son premier épisode, apparemment, en fait, donc c'est un youtubeur français, At My Weapon, et en fait, donc il a dû faire 170 épisodes sur Fallout New Vegas, et en fait, il dit que bon, il a dû s'installer une tonne de mods. Bon, évidemment, quand on a la mini-carte en fait dans le coin par exemple haut de l'écran, là, attention, c'est quoi? Ouais, un gros moustique quoi. En fait, c'est des trucs qui sont intuables, hein, qui vont me faire suer. À la limite, je sais pas comment ça se passe au niveau des munitions, si on a un nombre précis de munitions ou si on peut tirer autant qu'on veut. Est-ce qu'ils me suivent? Alors, qu'est-ce que c'est? Maison de Good Springs, ok. Là, à la limite, je pourrais aller voir ce qu'il y a dedans, quoi. Ça se trouve, je peux trouver un peu de loot, un peu d'équipement. Bon, ça, voilà, ils reviennent. Mauvais état, d'accord. Ok, ils vont vraiment me faire suer. Hein. Ça aussi, ça va mettre encore plus directement dangereux. Victor. Est-ce que les autres me poursuivent? Non. C'est quoi ça? Ah ouais, ils me poursuivent. J'arrive pas bien à le viser quoi. Ah c'est horrible. Prochain arrêt, Masmel. Wow.
Mais merci Victor. Vous avez l'air en bonne forme. Merci de m'avoir fait sortir de cette tombe. Tu connais les hommes qui m'ont attaqué. Comment es-tu arrivé à Good Springs? Je suis arrivé en ville il y a quoi? 10, 15 ans. Avant ça, je ne me rappelle plus bien. Curieux ça, tiens. En tout cas, c'est une bonne petite ville bien tranquille. Et je connais des endroits bien pires où poser sa selle. La selle, ouais. En fait, on est dans un roleplay de cowboy, quoi. Enfin, bon, vu que j'ai choisi un perso femelle, de cowgirl. Alors, comment as-tu trouvé? Je me promenais quand j'ai entendu ce vacarme au vieux cimetière. J'ai vu que ça sentait mauvais. Alors je suis resté à l'écart. Quand ils sont partis, j'ai remué la terre pour voir si vous bougiez encore. Comme c'était le cas, j'ai porté votre carcasse jusque chez le doc. Ok, ouais, donc on est un peu, ouais, ça fait un peu, bah ça tombe bien parce qu'en fait, comme je suis abonné à Netflix là depuis décembre 2017, donc là oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était oui, je vous ai dit qu'il était 3h55, donc là il doit être 4h et quelques. Et donc du matin, hein. Et donc en fait on est le mercredi 9 mai, donc 2018. Et donc ouais, ça rappelle un peu la série sur Netflix avec Yorana. Donc petite ville d'Australie. Et la série en fait glitch sur Netflix. Donc, avec Fitzgerald et Beau. Donc, Beau qui est un indigène et Fitzgerald un vieux raciste. Non, en fait, Fitzgerald, c'est l'ancien, ça devait être l'ancien maire, donc qui doit réapparaître en fait. À Yorana avec d'autres finalement morts qui revivent quoi. Donc système de mais très bonne série d'ailleurs, je vous la conseille. Série australienne, hein, donc hashtag Southgate. Donc tu connais, d'accord, comment as-tu trouvé? Ok. Ouais, mais genre, je suis obligé de lui faire C'est faire pour à tous dire, les. non. Peut-être que les braves gens de la ville vous seront plus utiles que moi pour ça. Ok, mais il va, je vais être obligé de cliquer sur toutes les réponses, quoi. Est-ce que je peux m'en séparer là? Est-ce que je peux me reculer? Non, même pas. Ah ouais. Alors, au revoir. On va faire ça comme ça pour le Bonne moment. route. Donc Victor. Salut, Werther. D'accord. Je n'ai jamais vu un robot comme toi, ok. Je suis un Securitron, modèle de sécurité Robco 2060B. Si vous voyez un de mes collègues, saluez-le de la part de Victor. Ok, d'accord. Bonne route. Bon, donc un petit drapeau US.
Enfin bon, je sais pas s'il correspond à un état spécial, parce qu'en fait, c'est normalement, c'est dans le carré, dans le rectangle bleu, en fait, c'est les étoiles qui sont plutôt alignées. Alors que là, ça a l'air d'être un truc. Par contre, je sais pas si ça correspond à un état spécial. Donc la maison, ok. Je vais pouvoir aller par là. Ok, ça n'a pas l'air d'être hyper aggro. Ah, il m'a peut-être vu. Hein. En fait, ça doit être des espèces de bovins dégénérés. Donc là, il faut que je me retourne pour avoir une maison. C'est dur à 4 heures du matin. Ça fait un peu comme le tube des années 70-80 peut-être. Et tout le temps le même air à la radio. Alors, est-ce que je vais réussir à rentrer dans cette maison quoi? Alors, faut que j'avance et que je tourne. Bon, est-ce que je vais pouvoir passer par ici? Ah là là. Fuck quoi. Fuck. Je me retourne. Alors là, il y a aussi des caravanes, il y a aussi des maisons ici, évidemment. Est-ce que
que ça compte? Est-ce qu'on peut apparemment rentrer dedans? Non. Apparemment, ils mettent rien de spécial. Oh là, le cirque pour se machiner, je suis tout le temps obligé de... Bon... Oh oui. Là. Alors... Voilà. Là, j'ai avoir une maison. C'est peut-être l'école. École de Good Springs. Voilà, sans problème là. Là j'arrête d'avoir des petits problèmes quoi. C'est des mantes géantes. Très sympa comme truc. Alors, ok. On va prendre. Certains terminaux sont protégés. Il est impossible d'y accéder sans mot de passe. Si votre compétence sens est assez élevée, vous pouvez essayer de pirater le terminal. Ouais. Bon mot de passe, vous aurez accès au terminal.
Si vous vous trompez, on vous indiquera combien de lettres sont incorrectes, sont correctes et au bon emplacement. Vous avez droit à 4 essais. Si vous échouez, le terminal restera inaccessible. Ok. Ça fait un peu, disons, un peu Minitel, quoi. Un peu Minitel. Alors, est-ce que je peux? Ah, finalement. Ok. Là, j'ai éteint. Là, je suis à 28 minutes. Je suis à 28 minutes. Donc, en fait, alors, à l'école, c'était Xandre, je crois. Où est-ce que c'est? C'est juste là. Ah bah, ça se trouve, c'est ça. C'est ça. Non, du coup, j'ai dépassé quoi, on dirait. Ah, à moins que ce soit ça. Aïe. On tourne un peu comme ça. Rien n'est indiqué. Aïe.
Bon, c'est quoi ça? Ouais, non, mais là, il s'agit pas de tirer dessus. Deux minutes. Aide. Suivant, 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 suivant. Activation. Ah ouais, c'est voilà, c'est ça. Fermer. Continuer. Alors, mais bon, ça a pas l'air de vouloir s'activer ça. Non, non. Ah, peut-être que je range mon arme en fait. Alors, du coup, je sais pas trop comment on range l'arme non plus. Bon, la vidéo va s'arrêter dans une minute. Ok, là je m'éloigne un petit peu apparemment. Donc en fait, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un épisode tout de suite après, immédiatement après, parce que là je suis à 33-10. Donc ça s'arrête à 34. Pour passer en SVAV, appuyez sur V. Visée assistée, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. Grande corne. Ok, bah non, en fait. Voilà, d'accord. Ok.